tu as remarqué ce que je remarque depuis ce matin. Je te jure, c'est même pour ça que je me suis levé de là-bas, je me suis rapproché de toi. Moi, j'ai compté. Ça fait la 21e fois qu'il est en train d'uriner. C'est étonnant, hein. Il a quoi? Et ça, Et là. quand il va là-bas, il tue, hein? Goût d'urine, là, ne sort même pas. Ça, là, c'est un double. Moi, j'ai fait un peu la médecine avant de venir ici. Ça, là, c'est infection, là. Tu as fait une médecine? C'est infection, là, comme ça. Et je connais ça, Scorpion, il va pas avouer. Pourquoi il va avouer pourquoi? On l'attend, il revient. Ouais, oh, il est essoufflé. Et non, c'est un cabadon. Mon frère, sous patron, patron, pas. Il arrive pas. Sous patron. Ça va. C'est quoi? Il y a Palu qui me dérange un peu. Ah, c'est le Palu? Palu garçon. C'est ça qui fait ça. Non, ça, non, c'est pas Palu garçon. C'est ça, Palu, c'est Palu. C'est jumeau. Ça, c'est Palu jumeau, ça. Et Palu, ça fait la 21e fois que vous êtes allé uriner. On a compté. Je n'ai même pas uriné. Rien de chaud. Ouais, ça, c'est pas Palu. C'est ça. C'est pas Palu. Vous, toi, tu connais quoi dans maladie? Moi, je suis né dans maternité, je connais ma maladie. Moi, je connais maladie que j'ai. Mais ça, c'est pas Palu. C'est moustique imprégné qui est dans ma chambre là, qui s'est déchiré. Les moustiques m'ont piqué. C'est ça qui fait ça. Ah, les moustiques t'ont piqué jusqu'à ils ont bouché le trou de. Envie. Vas-y. Allez. Attends, non, je vais pisser si c'est mieux. Sous patron. Vous connaissez quoi dans maladie? Ok. Ah. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va, vous. Ça va. Mais je t'ai pourtant dit de revenir ce matin à l'hôpital. Après l'analyse et la palpitation et tout, ce que tu as, c'est très grave. Mais comme c'est infection alimentaire, je vais prendre les médicaments et ça va partir. Vous inquiétez pas. Comment infection alimentaire? C'est pas lui, non? Non, c'est pas Palu. C'est pas lui. Ce que tu as, c'est de l'infection. Pourquoi tu fais les yeux, docteur? Ce n'est même pas bon que tes camarades te touchent. Sinon, tu vas les filer ça en même temps. C'est une infection qui est sortie. Ce n'est même pas encore général. Mais c'est venu chez moi déjà. Donc, s'il te plaît, ce n'est pas bon. Docteur, oui? Jean, si il a là, il peut nous contaminer, les innocents. Comment très facilement, sans qu'on ne fasse quelque chose? S'il vous touche en parlant seulement, vous aurez tous l'infection. Bro, métis. Donc, il faut tout faire pour venir à l'hôpital. Ce n'est pas bon. Peut-être qu'ils sont venus, les tu es allé ramasser ça là-haut. Bon. Son patron, on va prendre congé. Il va finir le boulot. Il faut guérir ce qui est là d'abord. Nous, on va prendre congé. On va prendre congé de 2 semaines. Si ça guérit là, on va revenir. Et le boulot là? Quel boulot? Guérir l'infection alimentaire là? Jamais. Oui. Tu vois quelque chose là? Tu as mauvais cœur. Toi, tu as une infection qui peut nous transmettre et il ne dit rien. Oh. Regarde les gens comme ça là. Docteur là aussi. Venez.